Hello everyone. Bonjour tout le monde. Merci d'être des nôtres. Pour lutter contre la COVID-19, nous demandons à tout le monde de rester chez eux le plus possible. Mais ces recommandations ont eu comme effet de ralentir les activités des entreprises. Certaines ont même dû fermer boutique. C'est inquiétant non seulement pour les entrepreneurs et les commerçants, mais pour vos employés qui ont besoin de leur chèque de paye pour subvenir à leurs besoins. Nous avons donc mis sur pied un plan qui comprend trois volets pour protéger les emplois, aider ceux qui sont mis à pied et appuyer les entreprises qui ont des problèmes de liquidité. Mais on sait que pour beaucoup de gens, leur grande priorité, c'est de faire en sorte qu'ils continuent à percevoir un salaire. On a donc annoncé une subvention salariale la semaine passée pour encourager les employeurs à garder leurs employés. To help employers keep people on the payroll, we announced that the government would subsidize up to 75% of wages for qualifying businesses. We know what businesses are going through. Over the past weeks, you've had to get creative to keep money coming in. And in some cases, you've had to make the difficult decision of letting your employees go. For people to get through this tough time and for the economy to rebound, people have to keep their jobs. So we announced the Canada Emergency Wage Subsidy. I said last week that we'd have more details to share, and that's the first thing I want to talk with you about today. If your business's revenues have decreased by at least 30% because of COVID-19, you will be eligible for this subsidy. The number of employees you have will not determine whether or not you get this support. It will apply to nonprofit organizations and charities, as well as companies both big and small. This is about making sure that people are still getting paid, whether they work for a business that employs 10 people or 1,000 people. So here's what this means for workers. If you work for a company that has been impacted by COVID-19, the government will cover up to 75% of your salary on the first $58,700 that you earn. That means up to $847 a week. As I mentioned on Friday, this will be backdated to March 15th. This subsidy will make a real difference in your lives and help everyone affected bridge to better times. In Quebec, it's going to help trucking and logistics company Energy Transportation Group to stay in business so they can keep moving essential goods like food and toilet paper. In Calgary, it'll give a little breathing room to the Benj Hair Salon, which had to close shop to protect the health and safety of their clients. Minister Morneau and Minister Ng are working hard to give companies the background documents explaining the technical details of this measure. And on that note, I want to thank the public service, who's working around the clock to get this done. Les entreprises qui démontrent que leurs revenus ont baissé de 30% à cause de la COVID-19 seront admissibles à la subvention salariale annoncée la semaine dernière. Le nombre d'employés ne déterminera pas votre admissibilité. La subvention s'appliquera aux organismes à but non lucratif, aux organismes de bienfaisance, ainsi que les entreprises de toute taille. Le but, c'est que les gens puissent continuer à recevoir un salaire, peu importe s'ils travaillent pour une entreprise qui emploie 10 ou 1000 personnes. Donc, si l'entreprise pour laquelle vous travaillez est touchée par la COVID-19, le gouvernement va couvrir jusqu'à 75% de votre salaire pour la première tranche de 58 700 que vous faites. Ça veut dire 847 $ par semaine. Jusqu'à 847 $ par semaine. Comme je l'ai dit la semaine dernière, cette subvention sera rétroactive au 15 mars. Les ministres Morneau et Ng travaillent fort pour donner plus de détails aux compagnies le plus rapidement possible. Et sur ce point, je tiens à remercier toute la fonction publique qui travaille jour et nuit pour finaliser les documents d'information. This subsidy is first and foremost about you, about hard-working employees across the country. It's about making sure you have money to buy groceries right now
and a job to come back to later, once we're through this. Every business of every size is having to make some difficult decisions because of COVID-19, and that's why the number of employees is not the eligibility criteria we've chosen. This is in line with best practices we've observed in other countries. That said, I want to offer a word of caution to businesses. We are trusting you to do the right thing. If you have the means to pay the remaining 25% that's not covered by the subsidy, please do so. And if you think this is a system you can take advantage of or game, don't. There will be serious consequences for those who do. This unprecedented situation calls for unprecedented action, and it calls for good faith and trust between everyone involved. We are in this together, and that's why our government is stepping up to help all employers keep their employees. But for this to work, everyone has to do their part. Every dollar of this should go to workers. You should make every effort to top up their wages and every effort to hire back those workers who've been laid off in the past 2 weeks because of COVID-19. That's why we set up a comprehensive 3-point plan to support everyone across the economy, weather the storm, and come roaring back. With the Canada Emergency Wage Subsidy, we're protecting jobs. With the Canada Emergency Response Benefit, we're helping those who lose their job. And with easy, guaranteed loans for businesses of all sizes, we're helping people who need it access credit. Je m'adresse aux entreprises pour un instant. On a confiance que vous allez prendre les bonnes décisions. Si vous avez les moyens de payer le 25% qui n'est pas couvert par la subvention salariale, faites-le. Si vous pensez que vous pouvez déjouer le système ou en prendre avantage, faites-le pas. Il va avoir des conséquences sérieuses pour ceux qui tentent d'en tirer profit. On se trouve dans une situation sans précédent et ça veut dire qu'on doit entreprendre des démarches sans précédent. Mais cette crise nous appelle à nous faire confiance et à agir de bonne foi. On est tous dans le même bateau et c'est pourquoi notre gouvernement veut aider tous les employeurs à garder leurs employés. Mais pour que notre stratégie fonctionne, tout le monde doit faire sa part. Chaque dollar est destiné aux employés. Vous devriez faire tout ce que vous pouvez pour supplémenter leur salaire et réembaucher les travailleurs qui ont été congédiés au cours des 2 dernières semaines. Nous avons un plan à 3 volets pour aider l'économie à revenir en force. Pour les employeurs et les employés, on a la subvention salariale d'urgence du Canada. Si vous perdez votre emploi ou si vous travaillez à votre compte, la nouvelle prestation d'urgence du Canada sera là pour vous. Et si vous avez des problèmes de liquidité, on a annoncé plusieurs mesures pour vous aider. Et en plus, pour vous laisser plus de temps pour effectuer vos paiements ou plus d'argent pour vos dépenses quotidiennes, on a repoussé jusqu'au mois de juin les paiements de TPS et de TVH et le remboursement des taxes et des droits exigibles sur les importations. Since the beginning of this crisis, our top priority is to get you the help you need. To do that, our government must be ready for every scenario. Over the past few weeks, the Canadian Armed Forces have been gearing up to support our efforts and our communities as we fight COVID-19. Our women and men in uniform have always been there for Canadians in their time of need, and this pandemic is no exception. Pour l'instant, le gouvernement fédéral n'a reçu aucune demande d'intervention de la part des provinces ou des territoires. Mais si ça devait changer, les forces armées seraient prêtes à répondre à l'appel comme elles l'ont fait tout au long de notre histoire. Que ce soit pour acheminer du matériel médical ou protéger vos maisons durant la saison des inondations ou des feux de forêt, ceux et celles qui portent l'uniforme seront là pour vous. Ils ont un plan pour appuyer nos communautés durant cette période difficile. À midi, plusieurs ministres et le chef d'état-major de la Défense tiendront un point de presse pour en discuter davantage.
Nous discuterons également de la préparation aux urgences avec les premiers ministres provinciaux et territoriaux lors de notre prochaine rencontre virtuelle. Je veux en profiter pour remercier tous les membres des Forces armées pour tout leur travail et leur service. Vous êtes toujours prêts à aider et on apprécie énormément tout ce que vous faites pour nous. I know we're all looking forward to the day when things are back to normal, but for that to happen, we all need to keep taking the right steps today. It means following public health recommendations. You know the drill. Stay home as much as possible. Wash your hands often and keep at least 2 meters from each other. And our government will keep doing everything we can to make sure workers are getting paid and companies are supported. The measures we've announced will help do just that and ensure that our economy is well positioned to recover from this. We're going through a tough time right now, all together, but you know, your government has your back. And as always, if we need to do more, we will do more. I want to close this morning by thanking all first responders across the country who are doing an incredible job for all Canadians. Medical professionals, first responders, custodial staff, farmers, people who work along the supply chain, thank you. Going to work right now is stressful, and I know you're worried. But we are doing everything we can to keep you safe. You are doing essential work, and we cannot thank you enough. As always, Canada and Canadians will get through this by leaning on each other and everyone doing their part. Merci beaucoup, mes amis.